Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran, certes nous avons honoré les fils d'Adam, mais bien souvent on se déshonore nous-mêmes. Et parce qu'on n'a pas complètement saisi le concept de l'honneur, on le poursuit par des moyens déshonorables. L'honneur est-il issu de la lignée, du statut, de la carrière ou de l'apparence, ou est-ce plus profond que cela? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah a honoré l'humanité de plusieurs manières. Tout l'univers qu'il a créé fonctionne d'une manière qui nous est profitable. Le soleil, la lune, les nuages, la pluie, les arbres et les mers, la nature et toutes ses saisons et couleurs. Tout fonctionne harmonieusement pour notre bien. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Allah a honoré l'homme avec l'intelligence et lui a appris à l'utiliser. Il lui a appris à écrire, il lui a appris à réfléchir et il lui a appris à inventer et à construire, tout en définissant pour lui ses limites. Et Allah a honoré l'homme en lui envoyant des prophètes et des messagers, avec la révélation divine pour lui rappeler son but, lui apprendre à adorer, à embellir son caractère et à atteindre le succès dans l'au-delà. On n'a rien fait pour mériter cette position, puisque les anges ont été enjoints de se prosterner devant Adam avant qu'il n'ait dit, fait ou réalisé quoi que ce soit. On doit se demander, que doit-on faire pour augmenter cet honneur? Et que doit-on éviter pour ne pas le compromettre? La piété est ici, a dit le prophète. À travers elle, l'homme est honoré. À travers elle, nos mœurs et notre caractère sont anoblis, et nos affaires sont réglées. Et les choses qui élèvent les gens en dehors de la piété ne sont pas négligées par la foi. Elles sont seulement embellies. Comme l'a dit le prophète que la paix soit sur lui, les meilleurs d'entre vous du temps de l'ignorance sont les meilleurs d'entre vous en islam, si vous êtes doués d'intelligence. N'est-ce pas extraordinaire que la véritable valeur d'un homme aux yeux de Dieu soit la seule chose qui ne puisse être vue des autres? Et c'est pour cela qu'Allah a dit immédiatement après cette déclaration qu'il est l'omniscient et le bien informé. Le prophète que la paix soit sur lui a dit « Ô mon peuple, en vérité Allah vous a retiré les slogans du temps de l'ignorance et la vénération de ses ancêtres. » Donc maintenant on compte deux types de personnes. Une personne qui est vertueuse, pieuse, honorable aux yeux de son Seigneur, et une personne qui est malveillante, mauvaise et insignifiante aux yeux de son Seigneur. Nous sommes tous les enfants d'Adam. Et Allah a créé Adam d'argile. Une fois, un homme est passé voir le messager d'Allah que la paix soit sur lui, alors qu'il était assis avec ses compagnons. Et le prophète a demandé, « Que pensez-vous de cet homme ?» Ils ont répondu, « C'est le plus noble des hommes. S'il demande en mariage, sa demande est acceptée. Et s'il intercède, son intercession est acceptée. Et s'il parle, les gens l'écoutent. » Le prophète s'est tu et un autre homme est passé par là. Et donc le prophète a de nouveau demandé, « Que pensez-vous de cet homme ?» Ils ont répondu, « Ô messager d'Allah, cet homme est pauvre. S'il demande, il est rejeté. Et s'il intercède, son intercession est inutile. Et s'il parle, personne ne l'écoute. » Le prophète que la paix soit sur lui a ensuite dit, « Mais cet homme est meilleur qu'un monde plein d'hommes comme le premier. » C'est étonnant comme le prophète que la paix soit sur lui nous a appris à estimer les gens et à les honorer malgré ce qu'on peut voir d'eux. Car Allah les voit peut-être d'une manière complètement différente. Et donc, de la même manière qu'Allah a honoré l'homme, il nous a ordonné de nous honorer les uns les autres, de ne pas nous dénigrer ni nous blesser les uns les autres par n'importe quel moyen. Ainsi, le prophète que la paix soit sur lui nous a interdit la médisance et la maltraitance, même envers les personnes les plus faibles. Qu'en serait-il si on déshonorait un ami de Dieu sans le savoir? Man 'ada li waliya faqad adantuhu bil harb. Comme on ne sait pas qui ils sont, on honore chaque homme et femme en supposant qu'ils occupent une meilleure place que nous auprès de Dieu, car les cœurs des gens nous sont cachés. Mais l'ordre de les traiter avec respect est clair comme de l'eau de roche. Ô Allah, de la même manière que tu as honoré l'humanité en lui envoyant des messagers, tu as honoré cette Umma en lui envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Honore-nous encore en nous accordant sa compagnie dans les plus hauts niveaux du paradis.